Ce groupe de touristes vient directement de Bruxelles. Là-bas, le début de l'automne est beaucoup plus frais qu'à Agadir et c'est pour profiter d'un soleil moins timide que Jean-Marie et Betty ont choisi de passer quelques jours dans la capitale du Sousse. Donc la première impression est bonne, on est bien accueillis, on est entouré de gens très sympas. Le premier coup d'œil est vraiment bien, donc on va un peu visiter pour se rendre compte où est la mer, où les activités qu'il y a. L'hospitalité et la mer ne sont pas les seuls atouts d'Agadir. L'infrastructure hôtelière s'est nettement développée ces dernières années, ce qui a favorisé le développement du tourisme. En août dernier, l'activité touristique a augmenté de plus de 9,5% par rapport à la même période de l'année précédente. On est à 100% presque toute l'année. On peut dire qu'on n'a pas, on connaît pas des saisons dans l'hôtel. On est toujours à l'été, on dirait au Chetafoucht. La plupart de nos clients sont des clients français, francophones. On a aussi des Belges, des Allemands, des Anglais. La tendance à la hausse est confirmée sur toute l'année. Le cumul des arrivées et des nuitées enregistrées durant les 8 premiers mois d'année en cours fait ressortir une augmentation de près de 6%.